électrochoc au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain, le leader, et l'Olympique Lyonnais, 7e. 7 points d'écart entre les deux clubs déjà, deux clubs européens. Paris sort d'un match nul, un but partout sur le terrain du Club Bruges en Ligue des Champions, alors que Lyon a gagné 2-0 sur la pelouse des Glasgow Rangers en Europa League. Les Parisiens qui se présentent avec Donnarumma dans le but. Neymar, Messi, Di Maria et Mbappé sont présents en attaque côté lyonnais. Pas de Dembélé, Slimani est en attaque, soutenu par Toko Ekambi, Lucas Paqueta et Shaqiri. Boateng est bien là en défense. Première attaque pour le Paris Saint-Germain avec Neymar en action. Neymar talonne pour Lionel Messi, peut-être le premier but de Messi sous les couleurs du PSG. C'est dévié de justesse à côté. Une très belle attaque parisienne, sauvée in extremis. Un coup franc de Messi ensuite. L'Argentin est placé dans l'axe. La balle part vers la lucarne, mais rebondit sur l'arrêt du but gardé par Anthony Lopez. Lyon a plutôt bien joué en première période, mais les occasions nettes sont parisiennes. Personne ne réussit à marquer, 0-0 à la mi-temps. Paris a remporté tous ses matchs de championnat depuis le début de la saison, mais ça semble un peu plus difficile sur cette partie. Lyon de son côté reste sur deux victoires, les deux premiers succès de la saison après avoir eu un mois d'août compliqué. Carl Toko Ekambi en seconde période réussit à donner un bon ballon dans la surface à Lucas Paqueta. Superbe but du Brésilien à la 54e minute, une très jolie frappe sans contrôle. Deuxième but de la saison pour Lucas Paqueta. Les Lyonnais sont tranchants sur cette action et réussissent à battre la défense parisienne. Paqueta est en position totalement licite et Donnarumma ne peut que s'incliner. Lyon est en train de réussir un gros coup au Parc des Princes. Les Parisiens trouvent un peu moins de solutions, peut-être une ici avec Neymar. Neymar face à Malo Gusto, il s'effondre dans la surface. Pénalty accordé par l'arbitre. Situation difficile à juger, mais l'arbitre a pris sa décision. Le pénalty à la 66e minute. C'est bien Neymar qui s'élance pour le frapper. Et dans son style traditionnel, réussit à battre Anthony Lopez pour l'égalisation parisienne. Un partout à 25 minutes de la fin. Premier but de la saison pour Neymar. Le match est complètement relancé. Il est très disputé jusqu'au bout. Angel Di Maria cède sa place à Mauro Icardi. Messi est sorti avant la fin du match, remplacé par Hakimi. Quelques choix de Mauricio Pochettino pour essayer d'aller chercher la victoire. On joue depuis 2 minutes dans le temps additionnel quand Kylian Mbappé réussit à servir Mauro Icardi. Le but de la victoire pour le Paris Saint-Germain in extremis. C'est la dernière action du match. Troisième but de la saison pour Mauro Icardi. Il était bien placé, il a été bien servi par Mbappé. Et il marque le but d'un sixième succès en 6 matchs pour le Paris Saint-Germain. Plus que jamais leader. Victoire du PSG 2-1 contre Lyon.